Bonjour Alicia! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on vous fait des gros bisous. On est super content d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter des nouveaux jouets. Ça m'a l'air super ça. Oui. Des Sosand. Qu'est-ce que c'est, Ça, Alicia? c'est des satisfaites factions. Oui, c'est du sable magique en fait. C'est du sable magique avec différents outils. Pour faire, pour s'amuser tout simplement, quoi. Oui. Pour faire Alors, des formules, je sais pas trop, hein. là, s'il faut faire des sables, et après, là, en haut, il y a des trucs pour faire des formes, quelque chose. Oui, là, sur le couvercle, il y a quelque chose pour faire des formes, pour pouvoir s'amuser et faire des choses très très jolies. Vous voyez sur la photo? Et ici, c'est une bulle. Il faut d'abord préparer cela. Après, il faut mettre ça dessus. Après, couper. Après, ça fera comme ça. Voilà. On peut faire plein de trucs. Voilà. On va regarder ça, on va vous montrer ça tout de suite. On va ouvrir le gros au premier. Oui. Et on va vous montrer à quoi elle sert cette grosse boule rose là. À mon avis, j'ai ma petite idée. Mais on va regarder. Allez, on ouvre ça. J'ai l'impression qu'il y a du sable qu'il faut mélanger là-dedans. Alors, tu as sorti. Ça, c'est le premier. Voilà. Un deuxième. Et là, ça s'ouvre ça ou quoi? Il y a des trucs. Ah, voilà, comme ça. Normalement, il va y avoir du sable Oui, là-dedans. Hein. là. Ah, ça c'est un autre outil. Oui. On peut faire du sable comme ça, des sables comme ça. Et il y a. Alors, Ouh on là peut là là faire du là. sable rose, du turquoise et du violet. Et il y a des paillettes comme ça. Des comme ça et des comme ça. Oh, ben il y a plein de choses, c'est super ça, comme du slime. Voilà, après on peut les mélanger et tout, après ça sera trop beau. D'abord, il faut prendre le Mélanger. sable, Alicia. Oui. Après la couleur et après les paillettes. Et Non. tu mélanges. Non, il faut mélanger après les paillettes. Après? Oui. D'accord. D'abord le sable et la couleur, alors. Hein? Oui. Et il faut mélanger dans quoi? Sur la table? Oui. Alors, ok, on va prendre ça. Ah, ça te plaît, ça. Hein? Ça, c'est du sable magique. Et ça c'est pour couper le sable après, je pense. Hein? Mais ça, c'est déjà du sable magique. Oui, ça c'est du sable magique, mais sans couleur. Hein. Oh, mais ça pue. Alors, t'as vu comment faut Moi, faire? je vais Faut faire faire du une. rose. T'as vu comment il faut? Faut faire une Oui. crêpe. Et après, faut replier les bords par-dessus. Hein. Ouais, tout. Trop beau. Waouh, super joli! Ça va aller à dire ça. Là, ça tombe tout. Ah bah oui, ça va tomber hein, sur la table. Ça c'est. Là, faut Allez, il faut mélanger. bien mélanger. Hein. Fais attention, Il y mélange a tout bien. qui est tombé. Retrempe le dedans pour prendre la couleur. Est-ce que tu peux faire une crêpe de nouveau et tu. Voilà, fais comme ça, voilà, fais comme ça. Oh, tes mains sont bien roses maintenant. Comme ton pull. Tu pourrais relever, relève ton pull, je vais le faire. Bon alors Alicia, ça avance le sable magique? Voilà, c'est beaucoup de travail à faire quand même, hein? Oui, Pour tout je vais faire un de moitié. mélanger, hein? Les copains, on va mélanger tous les sables parce qu'il y a beaucoup, il y en a beaucoup à faire. Il y a le rose à faire, le vert, Le turquoise. le turquoise. Et après, on va vous montrer à quoi ça sert ces ustensiles. Alors Alicia, t'as fini les mélanges de la couleur? Oui. On a fait le rose, le violet et Le le turquoise. turquoise. Et maintenant, il faut rajouter quoi? Les paillettes, hein? Oui. Les paillettes, elles sont ici. Là, ça brille, vous voyez. On va faire ça. Et après, on va tester enfin cet appareil. Donc, il va falloir mettre le sable dans le moule qui va servir à faire un moule. On va l'ôter et on va rajouter ça par-dessus. Et après, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être magique! Là, il y a des paillettes et des étoiles de lune. Mais je vais pas les mettre là, je vais les mettre ici. Ouais, bah oui, il sera plus joli, c'est sur une autre couleur. Waouh, comme c'est brillant. Super joli. Waouh, comme ça brille, hein. T'as vu ça, Alicia? C'est classe, hein. Les violets, je vais les mettre dans le turquoise et les blancs dans le violet. Je vais pas mettre tout parce que là il y a la moitié qui est tombée. Qu'est-ce que tu préfères, faire le mélange de sable magique ou du mélange de slime? Sable magique.
C'est mieux, ça colle moins aux doigts. Hein. Je vais mettre tout. Ça, je savais ça. Oh, elles sont jolies les blancs. Hein. Oh, c'est super joli. Alors, maintenant, Alicia, t'as fini? Oui. T'as déjà coupé, commencé à couper le sable. Mais on va faire d'abord, on va utiliser les moules, là. Oui. Donc, en premier, on va essayer de pas mélanger les couleurs en premier. Hein. Oui, on essaye. Alors, d'abord, tu mets le rose. Oh, peut-être t'en as mis trop, hein, peut-être. Hein. Ou il y a tout qui va rentrer dedans. Ça va rentrer, autrement, il n'y en a pas assez après. Ce qui est amusant, le sable magique, c'est de le prendre dans la main et de le laisser tomber, comme ça, tout doucement. Joli. Après, je vous montre. Maintenant, tu retournes. Voilà, et maintenant, tu mets ça dessus. Et après, tu vas couper avec. Hein? Je coupe. Tu coupes. Et après, tu pourras t'amuser à changer le moule. Le moule, le ça, tu le tournes maintenant? Attends. Oui, attends, j'ai pas vu. Tourne-le d'un tour, voilà comme ça, et tu coupes dans l'autre sens. Voilà, on peut s'amuser comme ça avec différents modèles. Je vous montre ce que ça peut donner. Là, tu me fais des losanges, j'ai l'impression là. Hein. Attention. Ouais, ouais, tu peux écarter un petit peu avec le machin. Comment? Avec quoi? Avec le... Ça c'est tout mélangé. Ça c'est tout mélangé? Je crois. Oui. Mais le sable magique, on peut vite l'enlever. Moi j'ai fait. Oh le joli gâteau! Miam, miam, montre-moi voir. Comme ça. Ah oui, là on voit bien toutes les couleurs. C'est super joli. C'est trop beau. Je veux un gâteau comme ça à mon anniversaire. Ah, là tu ranges tout dedans? Oui, comme ça. Là, t'as oublié l'outil. Oupsi. L'outil se met où? Je sais pas. Ah bah. Je vais le mettre comme ça. Parce que je sais pas où il va. Il va dedans, je crois, mais j'ai pas envie d'ouvrir maintenant. Les copains vont vous montrer l'autre boîte encore? Mais d'abord, on va tout enlever. Bah non, vas-y, fais comme ça. Ok. Alors, l'autre boîte, on va. Le même bordel. L'autre boîte. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte là, Alicia? Une boîte. Voilà. Une boîte vide pour mettre le sable dedans. Et ça c'est pour faire les différentes formes avec le sable, hein, pour jouer avec le sable. Encore une comme ça, et encore une boîte. Et là, comme avant, deux couleurs du sable et des paillettes. Hein. Et je veux essayer quelque chose. Tu veux essayer avec ça? Oui. Ouais, on va essayer avec ça, ce que ça donne. Là, on va pas refaire, les copains, on va pas vous montrer comment on fait le sable, vous avez déjà vu. On va vous montrer comment ça marche avec ça, qu'est-ce que ça donne. Vas-y, montre-le-moi. Comme ça. Mais tu vas casser. Non. Les copains, cette vidéo avec la. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle la balle satisfaction de sable magique. On vous fait des gros gros bisous. On vous fait des gros gros bisous. Pensez à vous abonner. Ciao tout le monde. Ça, tu fais une couleur encore? Oui. Coucou. Coucou. Y a mis ça. Là, voilà. C'est comme ça. Là. Lui, là, il est beaucoup mieux que lui quand on l'a pris, papa.
Papa. Quoi? Lui, il est beaucoup mieux que lui quand on l'a pris. Regarde.